بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 366 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lizia qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li jibril sallallahu alayhi wa sallam ki le prophète sallallahu alayhi wa sallam finjia a jibril sallallahu alayhi wa sallam ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazurana qui a fait qui empêche toi qui te visite nous plus souvent qui te peut visiter nous à ce temps-là. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut envie que Jibril alayhi salam lui descende plus souvent, lui visite lui plus souvent. Et là, plusieurs ben, riwayat mentionnés comme asbab al-nuzul, comme raison, comme circonstance dans lesquelles un ayat Quran fin descend et cet ayat Quran là, l'étant Jibril, l'étant Rasoul, dit ça avec Jibril. Jibril, alayhi salam, amène révélation. Allah révèle, فنزلت, Allah révèle ayat Quran qui trouve dans Surah Maryam. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكِ Nous pas descendre, ça veut dire un ange, je veux dire, nous pas descendre, excepté par l'autre Rabb. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا à lui appartenir, à Allah appartenir, tout ce qui est devant nous et tout ce qui est derrière nous. Ayatal continue, wama bayna dhalik et tout ce qui entre là-dedans. Tout ce qui est devant nous et tout ce qui est derrière nous et tout ce qui entre ça de là, comme Manoula m'a expliqué, lit en termes zaman avec makan. Ça veut dire lit dans deux dimensions. Dimension l'espace et dimension le temps aussi. Ça veut dire même dans l'espace, ban 11, je suis pas capable de bouger, sortir ici à là-bas, sortir là-bas à l'ici, descendre depuis l'hôtel le ciel, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne zut l'autre. Et en termes de temps, ban 11, pas capable de bouger, ça veut dire entre, depuis création jusqu'à Kayamat, et tout ce qu'il y a entre sa dé, création de Kayamat, pas capable de bouger. Par exemple, Malakul Maut, faut déléguer l'eau de qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui dire un dimoun sur la vie tel lé à tel moment. Il n'y a pas qu'à une seconde avant, ni il n'y a qu'à une seconde après. Faut déléguer l'eau avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ben, on se devine juste d'après ce qu'Allah a envie. Alors, wahi, quand ange pour venir, quand il pour venir amener une nouvelle à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est dans le forme wahi Quran ou soit dans n'importe qui les autres façons, c'est Allah qui décide ça. C'est pas Jibril alayhi salam qui décide ça. Alors, circonstances dans lesquelles sa hadith là était, sa ayat là fin descend, et ayat là, et un bout qui continue là-dedans, Allah dit, wa ma kana rabbuka nasiya. Et ton Rabb, li pan blié li. Alors, qui fait? Tiens un moment, que pendant 40 jours, Jibril alayhi salam, papi amène révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc, les qui ont envie, joignent Jibril alayhi salam. Les qui ont envie, gagnent révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et na, certains, ben, riwayat, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit, ya Jibril, ben, t'es pas venu tout ça les temps là, ishtaqtu wa qad ishtaqtu ilayk. Mais tu as envie, trouve-toi. Donc, ma dit, et tu peux manquer. Là, Jibril alayhi wa sallam, dit, ben, moi ici, moi, tu peux envie, trouve-vous, moi, tu peux manquer. Mais seulement, Allah sur l'autre, là, sa ayat Quran n'a descend, ne pas descend, excepté par l'autre d'Allah, par l'autre du Rab. Et dans l'autre riwayat encore, qui mentionnait qu'il pendant 15 jours, ça veut dire, ben, mushrikin, fin vinget Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, pour challenge lui, je t'in pose lui question, l'eau, ashabul kahf. Dans Surah Kahf, c'est les premières histoires qui nous tendaient, c'est, ben, jeune, qui se peut vivre dans l'époque avant, l'époque ban chrétien, ça veut dire je tiens à iman, mais seulement je peux vivre dans l'époque quand les rois tyrans quand les là, je tiens dans la cave pour le casser nous, on est je tiens dormi pendant 300 ans. Donc ça récit là ban mushrikin fin pose Rasoul sallallahu alayhi wa sallam question là et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam
Il connaît Allah pour donner réponse. Donc, il peut attendre réponse. Dans Faux Mouahi, et pendant 15 jours, Jibril alayhi salam, pas peut venir. Allah pas peut révéler rien. Dans Allah, sa sagesse, il connaît qui fait ça. Et là, le temps Jibril alayhi salam, vini, là, Jibril, Rasoul alayhi salam, dit Ali, moi, tu peux envie, trouve-toi, depuis avant. Et parce qu'il va me mouchriquer, parce que je peux commencer à penser ce que je peux penser, je peux commencer à penser tout à faire. Je peux commencer à cause tout à faire, c'était. Donc, définitivement, Allah finit dans cette réponse. Donc, c'est un petit diable, ma kana rabbuka nasiya, et Allah est au Rab, il n'est pas fin oublié. Il n'est pas oublié, non, jamais. Alors, dans ce hadith-là, ce qu'il nous apprend, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est content, jeune Jibril alayhi wa sallam, il est content, parce que Jibril alayhi wa sallam, c'est Jibril alayhi wa sallam. En comparaison, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est content, et surtout qu'il est venu avec Allah, son wahi, avec l'autre depuis Allah, avec l'ayat Quran depuis Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc là-dedans, nous trouvons qu'il est bon, nous, en un chauk, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit dans les autres riwayats, « Ishtaqtu ilayk » en un chauk, pour joindre mon dimon du bien, ahlul khair, quand je ne suis pas là, quand nous pas joindre d'autres, et nous envie joindre d'autres, et lui permet pour demander, pour demander à un dimon qui nous joigne l'ira, qui nous demande l'ira, qui nous joigne l'ira plus souvent. Alors nous prenons le prochain hadith, hadith 367, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رحبتي بسيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كي لو قفت صلى الله عليه وسلم في انجيا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبا صاحب يصاحب وجيا رسبوش avec un jimon رس dans صحبت un jimon. Ça veut dire faire vivre un compagnon proche. Alors là-dedans, ce qui est impliqué, il y a ma wadda là-dedans. Il y a l'amitié là-dedans. Il y a l'affection là-dedans. Là, nous, sahaba. Là, nous restons sa quantité proche là avec un djimoun. Et dans ce djimoun là, vient mon wali, ou faire vivre un camarade proche, il prend mon port, me prend ce port. Quand il y a pour défendre lui, moi pour défendre lui. Quand il y en a pour défendre moi, il pour défendre moi. Comment dire? Nous partagent même l'intérêt. Nous partagent même l'intérêt. L'intérêt, normalement, à cause d'Allah, c'est l'intérêt, c'est dîn. C'est la vérité. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sa qualité, sa qualité relation là, il ne faut pas y en a accepté avec mu'min. Du monde qui est un iman. Ça ne veut pas dire que nous, mes camarades, nous, mes voisins, nous, mes collègues, qui ne sont pas musulmans, ça ne veut dire que nous devons tourner les dos avec les autres, non. Ça veut dire que nous devons bien avec tout le monde. Et la fois, nous avons un collègue, nous pouvons assister à côté de lui, nous pouvons manger, nous pouvons boire. Nos camarades, ça, nos collègues, ça, nous avons une activité qui nous partage ensemble, et un moment qui nous partage ensemble. Mais seulement, ça, nous sommes à la paix. Parce que quand mon camarade est là pour boire la bière, je ne peux pas pouvoir partager ça avec lui. Si moi, un mu'min, un sahib, les vini, lui donne moi un petit affaire, mon manger, mon boire. Si mon refuse, lui, il n'est pas bon. Mais seulement, ça, l'autre là, s'il lui donne moi une affaire qui n'est pas halal, qui est carrément haram, ou soit qui m'en a doute là-dedans, là, mon pauvre refuse, lui. Quand il peut faire, c'est une activité, mon pas pour là-dedans. Et activité plus importante qu'un dimon, il y a dans la vie, c'est ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ibadat. Lui qui s'en la sur ibadat, il peut faire. Est-ce qu'il est capable de partager là-dedans? Donc, il y a beaucoup de l'intérêt primordial qui n'est pas capable de partager avec ça, dit monde-là. Bien qu'il est capable de partager les autres activités avec lui. Nous comprenons bien l'eau-là, hein. Faut pas nous trouve là-dedans un message de, communalisme ou soit raciste, non? Alors, ça, il vient ensemble avec la tolérance, avec le respect, tout ça, là. Mais ce que Rasoul Salam peut dire ici, c'est que ça, l'amitié-là, quand nous partageons l'intérêt important, alors nous faisons lier avec mu'min. Mais pas quand nous partageons l'intérêt important, par exemple, en ce qui touche iman, avec un dimon qui peine à iman. Ayat Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, dit dans surah Mumtahana, « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasoola » Ou pas pour trouver un groupe du monde qui n'a iman dans Allah et dans le jour dernier et qui en même temps n'a mawadda, n'a l'amitié, n'a l'affection
Kouban qui oppose Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Du monde qui oppose Allah, qui oppose Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va pas avoir l'affection, l'amitié pour lui. Ça c'est ayat Quran clair là-dedans. Et ayat Quran les autres places n'a pas prend ban mushrikin, ban kuffar comme awliya, ça veut dire comme un protecteur, comme un allié min dounil mu'minin, alors qu'il nous quitte ban mu'min. Et bien souvent ban ka kot jimoun la li prend ghayr mu'min comme un wali, comme un protecteur contre, comme un allié contre musulman, contre mu'min. Alors Rasoul sallam dit la tusahib illa mu'mina. Alors ça conseille là nous donne nous-mêmes, mais nous donne surtout nous mes enfants dans quand j'étais dans ma interaction avec ben les autres bien fait camarade avec tout le monde, mais seulement sa camarade proche, sa khalil là, sa sahib là, faut dédier na iman parce qu'il y a un monde les poursuivre son khalil, les poursuivre sa monde avec lequel les proches là, sa monde là sur ban manière pour déteindre nous. Nous pouvons gagner sur l'akhlaq, nous sommes capables de gagner sur din, comme nous expliquer, comme le Rasoul Zazami nous montrait, comparaison entre mort sans parfum avec forgeron. Donc, ça dit monde là, quand il y a un bon dimon, quand il y a un iman, définitivement nous pouvons bénéficier avec lui. Voilà, ya'kul ta'amaka illa taqi, et qui personne pas mange de manger, excepté un dimon qui est un taqwa. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne nous partage pas manger avec les autres, nous partage manger avec tout le monde, nous donne tout le monde manger, mais seulement comme, par exemple, Imam Suyuti, il fait une différence entre ta'am ou l'haja avec ta'am ou da'wa. Ta'am ou da'wa, c'est quand nous invite le monde. Quand nous invite le monde pour manger, alors ça, manger-là nous fait pour ban taqi, pour ban le monde qui est taqwa. Ta'am ou l'haja, c'est ta'am, c'est manger qui nous mange n'importe quand. Qui nous bise à manger là, il n'y a aucun problème. Donc, beaucoup de leçons qui nous tirent là-dedans. Par exemple, n'a pas prend un djimoun qui peut na iman, qui peut na taqwa. Ça veut dire une fasik, un djimoun qui désobéit à Allah ouvertement, invité dans la case pour aller manger. Ou soit, quand on partage manger avec un djimoun, manger, boire, il y a certains éléments de nourriture. Par exemple, une dîtée. Une dîtée, ce n'est pas juste un peu liquide d'une tasse, ça non. Il réunit djimoun, ça. Vin boire djité, écoute-moi. Nous allons boire djité, qui veut dire ça? Ça veut dire nous allons assiser, nous allons causer. Ça veut dire nous cimenter sa relation qui est là entre nous là. Alors manger, boire, les réunir du monde, ça. Dans la famille, du monde, papa causer, faire un dîner, invite tout du monde, viens manger. Mon envie, refaire mon relation avec un du monde, nous soit longtemps, mon pas jeune lit, invite-le pour manger, invite-le pour dîner. Donc manger, c'est une affaire extrêmement importante. Rasoul sallam dit, attaye mon ta'am. Partage manger. Alors, ça manger là, nous partage sa relation sincère là, nous partage avec Bandimoun qui n'a pas quoi. Mais peine là-dedans qui nous besoin, comment dire, pas d'une personne manger, nous commence à dire Bandimoun, si pas il n'a pas quoi, il n'a pas quoi. C'est pas ça qu'il dit là-dedans. Rasoul Zassalam peut montrer nous qui Bandimoun qui nous besoin privilégié dans nous l'entourage, Bandimoun avec qui nous avons l'affection, Bandimoun avec qui nous pouvons être comme un sahib, et ces bandimoun là par conséquent qui nous je bonne manière nous pour gagner, je akhlaq nous pour gagner, je qui nous pour fréquenter, je din qui nous pour gagner, et c'est avec je même qui nous pour lever yaoumul qiyama. Donc avec qui ça là nous envie lever yaoumul qiyama, avec qui ça là nous envie nous mes enfants lever yaoumul qiyama, avec qui ça là nous envie je prends je bonne manière je din. Donc c'est avec ces bandimoun là. Alors nous faisons doua que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Gagne sohbat ban salihin, ban jimoun ki li content, ban mu'min, ban jimoun ki na taqwa, nous bénéficier avec zot. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.